Cooking Something. Ce mois-ci, c'est vous que je reçois dans un épisode spécial ouvert à tous. Entrée, plat, dessert, on va voir ce que vous allez choisir. Habituellement, c'est le danseur invité qui décide du titre de la chanson qui sortira. Alors n'oubliez pas de voter en commentaire et surtout de rajouter le nom de votre entrée, plat ou dessert préféré. C'est parti! Ok, on va commencer avec une entrée funky, tranquille, bien colorée, qui va très bien avec le soleil de ces derniers jours, même si on ne peut pas sortir pour en profiter. On va voir si c'est à votre goût. Let's go! Maintenant que ça nous a bien mis en appétit, on va passer aux choses sérieuses et aux plats de résistance. Celui-ci est très parfumé avec beaucoup de curry. Je vous laisse découvrir ça. Je vous l'avais dit, c'est chaud, épicé comme il faut, résistant comme il faut. On passe tout de suite au petit dessert, un petit remix avec du G-Sugar. Je sais pas vous, mais perso, je suis rempli. Maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de voter en commentaire. Et pour que votre vote soit validé, n'oubliez pas de rajouter le titre de la chanson que vous aurez préférée. Les votes seront clos dans 3 jours. Attention, les votes seront comptabilisés uniquement sur mon Instagram pour que ce soit plus facile pour moi de m'y retrouver. Une fois que les votes seront terminés et que le plat aura été choisi, je vous en montrerai comme d'habitude la recette et le mettrai en téléchargement gratuit sur mon SoundCloud. Pour ceux qui souhaitent me montrer comment vous le mangez, libre à vous, ce sera avec plaisir que je découvrirai ça. N'oubliez pas le hashtag LéoPopMusic pour que je puisse facilement retrouver vos vidéos. Je ferai gagner une beat tape à 3 d'entre vous pour le meilleur passage, le meilleur kill beat et le passage le plus drôle ou le plus original. Parce que Cooking Something, c'est avant tout du divertissement et de la bonne humeur. Zblat ! Yeah, Cooking Something. Ce mois-ci, c'est à vous que j'ai présenté mon menu et vous avez été une grande majorité à voter pour le plat. Donc maintenant, voilà la recette. Et tout commence par...
ok, ça commence à sentir bon. Pour créer un changement, on va rajouter un petit filtre sur le sample, un peu de sel, un peu de poivre, et les carottes sont cuites. Et voilà, si vous voulez écouter, le son est déjà disponible sur mon SoundCloud. Je vous rappelle que ce mois-ci, c'est à vous de me montrer comment vous le mangez et que je ferai gagner une beat tape à 3 d'entre vous pour le meilleur passage, le meilleur kill beat et le passage le plus drôle ou le plus original. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont voté et donc participé à cet épisode spécial parce que sans vous, il n'aurait pas pu avoir lieu. En attendant, j'espère que ça vous a donné faim et que ça vous a donné envie. Splat !